Ce n'est pas la fin de carrière internationale dont Cristiano Ronaldo, ses fans et les admirations de footballeurs rêvaient. Relégué sur le banc des remplaçants après la phase de poule de cette Coupe du Monde 2022, l'attaquant a quitté le Qatar après les quarts de finale puisque son équipe du Portugal n'a pas réussi à battre le Maroc pour continuer son aventure. CEST en larmes que Cristiano Ronaldo a quitté le terrain pour rejoindre les vestiaires. Une image déchirante qui fera date dans l'histoire du football. Dévasté par cette sortie peu glorieuse, CR7 est sorti du silence ce dimanche 11 décembre. Sur son compte Instagram, le compagnon de Georgina Rodriguez a publié une longue déclaration poignante mais aussi cinglante. Gagner une Coupe du Monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais mettre le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve, a commencé Cristiano Ronaldo, qui a remporté l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019 avec son pays. Dans la suite de son message, le footballeur assure s'être battu pour réaliser son rêve. Je me suis battu dur pour ce rêve, écrit l'attaquant, désormais sans club depuis qu'il a été remercié par celui de Manchester United. Lors de mes 5 présences en Coupe du Monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. Cristiano Ronaldo, le rêve a été beau tant qu'il a duré, j'ai tout laissé sur le terrain. Je n'ai jamais détourné mon visage combat et je n'ai jamais abandonné ce rêve, ajoute Cristiano Ronaldo. Malheureusement, hier, le rêve s'est terminé. Ce n'est pas la peine de réagir à chaud. Dans la fin de son message, le footballeur a réglé ses comptes avec les médias, les internautes et ses détracteurs dans le monde du ballon rond. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup ont été écrites, mais mon dévouement pour Portugal n'a pas changé un instant, conclut Cristiano Ronaldo. Je me suis toujours battu pour l'objectif de chacun et je ne tournerai jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Merci Portugal. Merci Qatar. Le rêve a été beau tant qu'il a duré. Maintenant, il est temps d'être un bon conseiller et de laisser chacun tirer ses propres conclusions, a-t-il encore ajouté, sans donc évoquer de retraite internationale. Mais à 37 ans, Cristiano Ronaldo reviendra-t-il sur les terrains avec le maillot de la sélection portugaise ? Difficile à dire pour le moment, mais sa décision doit déjà être actée. En attendant de potentiellement le retrouver à l'Euro, en 2024, le footballeur va pouvoir compter sur ses proches pour se remettre de ce mondial raté. Notamment Georgina Rodriguez, pas tendre avec le sélectionneur portugais, « Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, votre arme la plus puissante. » Vous ne pouvez pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris.